Allez, de retour ici au village des recruteurs de Saint-Étienne, c'est la deuxième édition. Nous sommes avec Nicolas Coiffé, bonjour. Vous bonjour. Êtes responsable d'agence pour Engie Home Service, qui est une filiale d'Engie sur le B2C, c'est-à-dire que vous recherchez des gens qui vont intervenir directement chez les particuliers. Dans des secteurs des pompes à chaleur ou des chaudières, par exemple. La maintenance, l'installation, remplacement des chaudières, pompes à chaleur, climatisation cette année. Alors, ce sont des profils particuliers, compliqués à recruter ? On a une difficulté à recruter des techniciens. Aujourd'hui, c'est des métiers qui sont en tension. On a peu de formations qui répondent à nos besoins. Ce qui est parfait, c'est les formations Bac Pro, TEMSEC. Peu d'organismes de formation forment les jeunes à ce type de formation-là. Les TEMSEC sont recherchés. On a quelques jeunes chez nous en interne. Après, on accompagne à la formation. C'est ça, face au défaut, au manque de formation initiale, vous êtes prêt à recruter les gens et à les former vous-même en interne. Oui, complètement. Aujourd'hui, on a des formations internes. C'est l'avantage du groupe, la puissance du groupe, qui fait qu'on a une école de formation, on a des centres de formation et on monte des CQP, le certificat de qualification professionnelle, qui accompagne les jeunes dans la maîtrise de leur métier, dans la maîtrise du savoir-être. On insiste un petit peu sur le savoir-être puisqu'on intervient directement chez les particuliers, dans des collectifs, dans des collectifs sociaux, dans des collectifs privés. De plus en plus, on a besoin d'avoir des jeunes qui ont une connaissance technique, c'est la base. Et en plus, un savoir-être qui oblige à avoir de la politesse, à avoir une bienveillance envers les clients. C'est parce que c'est compliqué finalement d'avoir ces deux casquettes, la compétence technique et en même temps le savoir-être. C'est un peu des perles rares. C'est un peu la difficulté de ce métier. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a un peu de tension sur ce métier, d'avoir le profil technique. Des jeunes peuvent, ou des jeunes moins jeunes d'ailleurs, peuvent rechercher un peu de confort en usine. Nous aujourd'hui, l'avantage vrai de notre métier, c'est qu'ils sont indépendants sur leur journée. On leur organise leur tournée, leur clientèle. Ils ont une feuille de route pour leur journée, ils se rendent chez les clients, ils sont indépendants, autonomes toute la journée, ils partent avec leur véhicule, ils ont leur feuille de route, comme je vous le disais, pour savoir chez qui ils interviennent, et au fur et à mesure de leur journée, ils s'organisent eux-mêmes pour savoir qu'est-ce qu'ils mettent en avant et qu'ils se mettent en priorité. Ils rappellent leurs clients pour leur prévenir de leur passage. C'est ça, être indépendant. Vous vendez entre guillemets l'indépendance et puis le contact client, la relation. L'indépendance, le contact client, le savoir-faire, parce qu'effectivement, il y a toute la partie savoir-faire technique, chauffage, pompe à chaleur. On cherche aussi bien des techniciens chauds que des techniciens froids. Sur le savoir-être, après, je vous disais, il faut vraiment qu'il y ait cette compétence de politesse, de correction. On travaille avec des particuliers. La vraie difficulté, c'est de trouver des jeunes qui soient capables de tout faire. Enfin, des jeunes moins jeunes, hein, comme je disais. Après, on n'a vraiment aucune restriction sur le type de profil du moment qu'ils répondent à ces deux critères. Justement, l'un des critères, si ce n'est le critère principal, on le disait, c'est le savoir-être. Une opération comme ici, le village des recruteurs, on rencontre des gens directs qui sont censés se présenter, convaincre, se vendre. Être dans la relation humaine, c'est typiquement le genre d'opération qui vous convient. Complètement. Nous, on était, dès la mise en route du village recruteur, on s'est positionné pour avoir une présence sur celui de Saint-Étienne. On a besoin d'être visible, de faire connaître la marque Engie Home Service également, de faire connaître auprès des jeunes dans les centres de formation ou auprès des agences d'intérim, des agences d'emploi, des APL locales, de savoir également nous reconnaître, nous différencier par rapport aux indépendants locaux. Aujourd'hui, l'avantage du groupe, c'est qu'on est groupe Engie. On a une vraie possibilité d'évolution dans le groupe. On a un soutien, un support qui est très important et des possibilités de travail, d'outillage, d'aménagement, de tout ce qui est équipement, qui est très intéressant pour les gens qui rentrent chez nous aujourd'hui. Alors vous la vendez, j'imagine aussi ces perspectives d'évolution au sein du groupe. Juste un mot pour terminer, pour revenir justement sur le savoir-être et le bon profil que vous recherchez. Comment vous jaugez, vous sondez la motivation, le fait qu'un des candidats ici va bien passer en clientèle chez le particulier? La priorité, ça va être, je disais, la politesse, la correction envers les personnes, le respect de tout type de personnes. On insiste vraiment sur le respect de tout type de personnes. On va être amené à rencontrer tout type de clients. Donc ça, on va essayer de le percevoir durant l'entretien. La première approche aujourd'hui du candidat, savoir se présenter, savoir dire ce qu'il vient faire. Aujourd'hui, un technicien doit faire un briefing d'entrée. Bonjour, je viens pour expliquer ce qu'il doit faire.
là, typiquement, dans un entretien d'embauche ou dans un entretien, en tout cas, de prise de contact, il doit le faire de la même manière. Si la personne a du mal à se présenter aujourd'hui, on va se dire que chez des particuliers, ça va être compliqué tous les jours. Alors que là, il est dans un environnement fermé, protégé, entre guillemets. Là, il sera seul chez les particuliers, il va falloir qu'il sache se débrouiller aussi. Donc, c'est une vraie mise en situation, finalement. C'est une mise en situation, c'est pratique pour ça. Merci beaucoup, Nicolas Coiffé, d'Engie Home Service. On se retrouve dans quelques instants ici sur ce plateau vidéo du village et recruteur de Saint-Étienne.